Les termes de Vernet-les-Bains viennent à vous. Notre histoire, nos activités, notre identité. Les termes de notre histoire. Les termes de Vernet-les-Bains, c'est une entreprise familiale qui a débuté dans les années 60, en grande partie avec l'aide de mon père, le docteur Albert de Fouzoir, rhumatologue dans le Nord, qui, comme il disait, aimait soigner les os par les os. Tout le long de sa vie, il n'a fait que bâtir, reconstruire les bâtiments qui étaient très petits. À son décès, j'ai repris la relève et mon mari Hervé est venu donc se joindre à moi pour continuer cette belle aventure familiale en modernisant et restructurant nos infrastructures. Désormais, disparus tous les deux, je continue, plus déterminée et active que jamais, à poursuivre ce projet de couple et cette belle aventure. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Alors, nous sommes situés dans les Pyrénées-Orientales, à 50 km au sud de Perpignan, à 650 mètres d'altitude, à l'abri des vents dominants et au pied du Canigou. Que faisons-nous? Eh bien, nous faisons le traitement des cures thermales conventionnées agréées par toutes les caisses d'assurance maladie en voie respiratoire, donc affection bronchopulmonaire sphère ORL, et la rhumatologie. Nous utilisons pour vos soins thermaux trois forages d'eau sulfurée sodique dont les températures varient entre 47 et 66 degrés. Nous avons aussi, joint à cette cure thermale, un service hébergement avec 70 studios et une dizaine de chambres. Et pour satisfaire votre séjour, nous avons mis aussi en place un restaurant Le Thermal, et Patrick, notre cuisinier, vous proposera plusieurs formules allant de la pension complète à la demi-pension ou éventuellement des plats emportés. Et puis, après la cure, que faire? Eh bien, on vous proposera des activités de bien-être au sein de notre espace bien-être qui consiste donc en des massages avec Laurent et Raphaël. Il y aura aussi l'intervention du naturopathe si vous le souhaitez ou Patrick, l'hypnotiseur et tout ce qui peut être dans le cadre du bien-être. Notre identité. Alors, je vais raconter une anecdote de mon enfance. Mon père me disait toujours, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, j'ai deux yeux, un nez, une bouche. Il m'a fallu le début de ma carrière pour comprendre toute la signification de ce message. Mais en fait, c'est les relations humaines, c'est l'humain. Et nous avons cœur à ce que l'humain soit au cœur de notre métier. Nous voulons que votre séjour se passe le mieux possible, être à votre écoute, personnaliser vos soins, personnaliser la prise en charge des soins. Et toute mon équipe se joint à moi pour vous dire qu'ils ont hâte de vous retrouver dans des circonstances meilleures que celles que nous avons connues à cause du Covid-19. Merci à tous.